Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera un haul Noz, un magasin où je vais très 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 rarement, mais là j'avais envie d'y aller parce que j'avais vu 2-3 trucs, enfin il y avait quelques semaines, et puis je me suis dit tiens, ça va te faire une petite balade à ta pause, donc on y va. J'ai pris tout d'abord des découpages, vous savez le papier comme ça mâché là. Je sais plus trop comment ça s'appelle, enfin vous savez. Et du coup, j'aime bien ce genre de papier et ils étaient à 79 centimes, donc j'ai pris des cœurs et des nœuds. Ces cœurs-là, là, ils sont très très beaux. J'aime beaucoup. Et alors les petites sirènes, elles sont magnifiques. Donc 79 centimes chaque paquet. Ensuite, j'ai trouvé, alors au départ, j'ai vraiment trouvé des choses ça et là, je trouvais rien. Et à la fin, j'ai trouvé des trésors. Alors, j'avais trouvé cette petite planche de stickers toute simple avec des ananas, ça peut être très sympa sur les cartes de cet été. Ensuite, j'ai trouvé des petits. Donc, ce sont des planches de stickers autocollants. Hein. Et donc, il y a ces quatre planches. Donc très sympa pour mon bullet. Moi qui fais beaucoup de bullet. Voilà. Donc ça c'était 59 centimes. Et les ananas, ils étaient à 2 euros à 60%. Donc ce qui fait 80 centimes. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des post-it, mais alors ils sont trop beaux. Donc ils sont à 69 centimes. Donc ça c'est pour cet été. Donc quand je fais des petits courriers enchantés, j'aime bien mettre des petites choses comme ça. Et du coup, ceux-là, quand ils sont beaux, ben, c'est encore plus plaisant. Donc vous voyez, c'est sur les fruits de l'été. Et celui-ci, pareil. Donc j'aime beaucoup ce genre de choses. Ensuite, j'ai pris plusieurs washi tape. Alors j'ai pris celui-ci qui était à 79 centimes. Donc vous voyez, il est comme ça. Donc je trouve très joli. Pour le printemps, ça va être très sympa. Ensuite, j'en ai pris trois. Alors c'est des washi tissus hein, plutôt. Des rubans tissus collants. Donc, hop, on va essayer de voir. Voilà. Donc il y avait plusieurs coloris. Moi j'ai pris que ces trois-là. Il y avait du bleu, du vert plus foncé. Voilà. Donc ça, c'était 1,50 mais à 60% de décote. Donc vraiment rien du tout. Ensuite, j'ai pris deux sur les fêtes de Noël. Donc ça, c'était 79 centimes. Donc là, on a un sapin comme ça. Il est très sympa. Et là, c'est plutôt des flocons très jolis. Ensuite, j'ai pris un genre de coquelicot comme ça, je le trouve sympa pour une page florale. Donc 79 centimes. Et enfin, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est un washi arc-en-ciel, soleil, très enfantin. Donc on va essayer. Voilà. Nuages. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris plusieurs. Alors, j'ai pris les mêmes en fait, presque tous les mêmes. Voilà. Donc, c'était à 39 centimes. Et du coup, vous avez pas mal de die-cut à l'intérieur. Donc, j'en ai ouvert un pour vous faire voir vite fait. Donc, bon, il y a des écritures en anglais, soit. Mais il y a quand même beaucoup de. Voilà, c'est des cœurs, des fleurs, des petites étiquettes. Il y a un petit papillon. Un petit love. Voilà, il y a des petits cadres comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça, c'en est un. Et l'autre, il est différent. J'en ai pris qu'un. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dû me tromper en fait quand j'ai pris. Pareil, un 39 centimes. Donc là, c'est plus papillon coloré. On a des fleurs, des cœurs. Pareil, on a des choses comme ça. Fabulous. Voilà, des die cuts. Donc moi, comme j'en utilise de plus en plus, bah voilà. Par contre, il est sympa celui-là. Il n'y a pas beaucoup d'écriture. L'autre non plus, hein. Il n'y a pas beaucoup d'écriture en anglais. Donc, et beaucoup d'étiquettes qu'on peut se resservir. Donc ça, c'est super.
Ensuite, j'ai pris des papiers. Donc, les papiers étaient à 99 centimes. Il y a 10 feuilles à l'intérieur. Donc, je ne connaissais pas. Donc, c'est du Rainbow Spectra. Et donc, 200-300 grammes. Donc, enfin, le grammage est parfait. Et en fait, vous en avez quelques-unes qui sont pailletées comme ça. Donc, c'est très sympa. Donc, là, celui-ci, il est beige, vert. Et celui-là, il est un peu ivoire. Très sympa. Et après, c'est plutôt irisé. Vous voyez? C'est plutôt irisé comme ton. Et j'aime beaucoup aussi. Voilà, le vert est très chouette. Voilà, donc ça, c'est plutôt des couleurs sympathiques. Donc, il y a du violet, comme je vous ai dit. Il y a du abricot rose, du noir, du or, hein, du gris, du marron qui ressemble un peu au cuir. J'aime bien. Puis là, on est dans les paillettes. Donc, le bleu, le beige et donc le rose, comme je vous ai fait voir au départ. Donc, ça, ce sont 99 centimes. Il y a 10 feuilles et franchement, elles sont vraiment très belles. Ensuite, hein, j'ai pris des pochoirs. Alors, dans les pochoirs, j'ai d'abord pris celui-ci. Donc, pour faire des cartes pour cet été, c'est très sympa avec les coquillages, voilà, sur le thème marin. C'est écrit romantique Summer, donc c'était 99 centimes. Donc il y avait celui-ci aussi d'ailleurs, il y était. Le fard n'y était pas. Donc je n'ai pas pris les encres. Coquillage me plaisait beaucoup plus. Ensuite j'ai pris celui-là. Alors vous allez voir, j'ai pris des tampons aussi de cette collection qu'on a vu sur d'autres chaînes il y a très longtemps. Et du coup, moi, comme je vais jamais à Noz, ben, voilà, je ne les ai jamais achetés. Et du coup, ben, je me suis bien fait plaisir. Donc j'ai pris celui-ci qui est un fond qui peut être un fond très très chouette pour le art journal. Ensuite j'ai pris celui-ci. Alors j'aime beaucoup sur le sur comment les thèmes. Alors là c'est écrit Fantasy Collection, mais du coup ça peut être parfait aussi pour l'automne. Des petits fonds comme ça, des petits pochoirs, c'est très sympa. Et donc celui-ci, il n'y était pas, sinon je l'aurais pris, il est très chouette. Ensuite, hein, j'ai pris ça. Et en plus, dans la collection, vous avez un anneau pour pouvoir disposer de vos pochoirs par anneau. C'est une très bonne solution. Je pense que je vais peut-être faire des trous dans certains pour l'utiliser comme ça. Je trouve ça très très chouette. Voilà, plutôt que de les ranger dans un truc et tout. Dans des anneaux, hop, plus ou moins grande, enfin selon la grandeur des pochoirs, je pense que je ferai ça. Donc du coup, j'ai pris celui-ci comme une porte en pierre. J'aime beaucoup, il est très très chouette. Et en plus, pour faire un fond sur une Memory Deck, ça peut être très très sympa. Donc 99 centimes. J'ai pris celui-ci, donc pareil, hein, Studio Light Art Collection. Donc ça, j'aime beaucoup. Et puis ça peut être sympa, des bandes comme ça. Et pareil, il y a un anneau. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc ça, c'est le Botanical Collection. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. C'est ça, ouais. Alors j'ai pris celui-ci, qui est très très chouette. J'adore. Et j'utilise beaucoup de pochoirs. J'en ai énormément. Donc du coup, je ne vous fais pas toujours tout voir en haul. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et pour la gel presse, hein, c'est le top. Donc du coup, c'est génial. Je suis trop contente. Donc tout ça, c'est 99 centimes. J'ai pris celui-ci. Ah, celui-ci, il est magnifique. À faire des fonds vraiment superbes. Celui-ci aussi, d'ailleurs. Ou des cartes. Hein, on peut faire des cartes, hein, bien sûr, avec. Ensuite, il y a celui-ci. Donc ça, c'est plutôt, voilà, des feuilles. J'adore, vraiment, ils sont super jolis. Vraiment, vraiment très, très beaux. Donc, ça rend ça plutôt. Je vais vous faire voir comme ça. En plus, ça fait comme un cœur, là. Et voilà. Et j'ai pris celui-ci. Donc, ça, c'est collection Exploration. Donc, très chouette aussi. J'aime beaucoup celui-là, là. Il est très, très sympa. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment ravie de tous ces pochoirs. Je vais faire des fonds au top. Et puis voilà. Hop! Donc ça, c'était mes pochoirs. Ensuite, j'ai pris des dies.
Alors, j'ai pas pris grand-chose comme dies parce qu'ils étaient quand même à 2,50. Mais j'avais pas de fruits en dies. Donc, du coup, je les ai pris surtout pour celui-ci. Parce qu'avec, vous faites une découpe comme ça et vous faites un fond d'une autre couleur. Ça vous fait votre tranche de citron ou d'orange. J'aime beaucoup faire des choses avec les agrumes. Et puis, les cerises sont très, très sympas aussi. Les fleurs sont chouettes, hein, vraiment, et la fraise. Ensuite, j'ai pris des feuillages, parce que des feuillages, on n'en a jamais assez, et c'est vraiment quelque chose qu'on utilise énormément en scrap. Donc, du coup, j'aime beaucoup les feuillages. Voilà. Et enfin, j'ai pris, alors celui-là, je l'aime beaucoup pour cet hiver, donc les ours polaires avec la montagne. Donc, du coup, ça peut vous faire quelque chose comme ça avec le montage des deux. Très, très chouette. Vraiment, je suis contente. Voilà. Et ensuite, ce sont que des tampons. Alors, les tampons. Alors, comme je vous ai dit, j'en ai vu les grunge là. Donc, il y avait Véro qui m'en avait offert un pour mon anniversaire. Donc, de toute façon, il n'y était plus. Donc, c'est parfait. Avec le poker face. Et là, du coup, j'en ai trouvé. De toute façon, je les ai tous pris. Hein. Il en reste plus du coup. Donc j'ai pris celui-ci, que vous avez dû voir, hein, à 99 centimes. Franchement, ça vaut trop trop le coup. Ensuite, hein, j'ai pris celui-ci. Ils sont énormes en plus. 99 centimes. Ils sont hyper grands. Ils font bien 20 cm. Hein, franchement, je vais mesurer là vite fait, mais. Alors là, c'est pas en. Oh, ils font même plus, hein. Ils font 30 cm à peu près. Donc, vous voyez, ils sont énormes. Mais il y a des chiffres, voilà, on fait un journal, il y a écrit le time, voilà, c'est très très sympa. J'aime beaucoup, puis l'œil, j'aimais beaucoup l'œil, en fait. Ensuite, hein, j'ai pris celui-ci, qui est très chouette. Hein, donc, avec, on peut utiliser les uns et les autres. Hein. Sur du hard journal, c'est top, celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, pareil, j'ai pris pour le hard journal celui-ci. Ça, j'aime beaucoup. Ça fait un peu l'étoile de la Converse. Mais ils sont tous à 99 centimes. Hein. Franchement, très très chouette. Et enfin, j'ai pris celui-ci qui est juste magnifique. Hein. Très très bohème avec le. Comme un attrape-rêve en fait, un peu. J'aime énormément. Très très beau. Ensuite, j'en ai pris certains. Alors, ceux-là, je ne les ai jamais vus. Hein. J'en ai pris avec des dies. Hein. Donc, j'ai pris les petits chiens, comme ça, à 2,50. Hein. Par contre, ils sont un peu plus chers. Mais bon, ça change. En fait, mon objectif du mois de février, c'est de ne pas aller à Action. Donc, du coup, je suis allée chez Noz. Et je me suis trouvé des choses. Ça change d'Action, en fait. Voilà. Donc les petits chiens, alors le petit chien dans sa tasse, il est trop trop choupi. J'aime beaucoup. Et je me suis pris des animaux de la ferme. C'est quelque chose que je n'ai pas. Et en plus, on a le dies vache et mouton. Donc du coup, c'est génial. Et là, on a les trois chiens en dies. Donc, enfin, les deux chiens et le chat, avec son poisson. Donc c'est quand même top. Ensuite, à 2,50 aussi, j'ai pris celui-ci pour l'année prochaine. Très très sympa. Le petit lutin avec son cadeau et le dies. 2,50 avec un dies, je trouve pas que ce soit vraiment excessif. Voilà. Et ensuite, alors à 2,50, j'ai celui-ci et ensuite ils sont un peu moins chers. Donc à 2,50, celui-là, je suis tombée sous le charme. Vraiment. Je crois que c'est un de mes préférés. Cette machine à écrire est juste superbe. Voilà, donc 2,50. Ensuite, ils sont à 1,99. Donc j'ai pris celui-ci, toujours pareil pour mes fonds. Donc ça j'aime bien aussi tamponner ça sur un côté de carte, c'est super chouette. Des notes de musique, bah, voilà, on en a toujours besoin. Voilà, pour faire des fonds, ça fait très feu d'artifice, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris deux fleurs qui vont être colorées, ça va être trop trop chouette. Donc 99 centimes les deux fleurs. Donc il y a celle-ci. Donc ça rend ça trop belle. J'aime énormément. Et j'ai pris celle-ci, pareil, 99 centimes. Et du coup, ça rend ça. Donc ça, je vais me les essayer ce week-end. Et ensuite, alors ça, c'est mes trois planches préférées, on va dire, avec celle-ci.
Donc j'ai pris des choses un peu enfantin, mais oui, très enfantin en fait. Et c'est à 1,99 et j'aime beaucoup. Donc du coup, il y a une maison. Donc moi, j'en avais pas des maisons. Donc bah, c'est parfait. Une maison avec des feuillages et puis un petit nuage trop rigolo avec la pluie. Donc j'aime énormément ce genre de tampon. Ensuite, sur le même style, un peu la maison. Alors c'est écrit Beach Hotel. Donc un hôtel hein, avec des fleurs, un cerf-volant, un gros soleil. Donc là, on a la pluie et là, on a le soleil, on a les nuages, on a les petits oiseaux. Enfin, on a tout ce qu'il faut. C'est top, top, top. J'aime énormément. Et enfin, la dernière chose que j'ai achetée chez Noz, j'ai eu ça. Donc ça, j'adore. Je trouve ça trop drôle pour un anniversaire. Je trouve ça très mignon. Et donc, tout ce que je vous ai présenté, j'en ai eu pour 52 euros. Donc, franchement, avec tout ce que j'ai eu, donc tous les tampons, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai 15 tampons, dont certains avec des dyes. J'ai 3 planches de dyes. Et en pochoir, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 pochoirs, 10 pochoirs. Donc franchement, 10 planches de pochoirs. Après, ben, puis après, j'ai tout le reste. Les washi, les dice cuts, enfin bon, j'ai plein plein de choses. Pour 52 euros, quand elle m'a dit le prix à la fin, j'ai été très surprise du prix. Parce que je pensais en avoir pour un petit peu plus, vu qu'il y avait des choses à 2,50, etc. Donc voilà mes achats, je suis très contente. Dites-moi si vous les avez vus sur d'autres chaînes. Moi, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vues. Donc du coup, ben, j'étais ravie. Voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une très très belle journée. Allez, bye bye!